C'est vrai que t'as gratté le... C'est vrai? T'es prêt? Ouais. C'est une première de faire devant des gens. Non, non, on a déjà fait des vidéos avec eux. On avait fait quoi? Le tennis, ah, oui, le barbecue. Enfin, c'était la journée dans ta peau. Ah, c'est ça. Charles. Voilà, moi je suis votre vrai ami. Oui, je le retiendrai. Bien sûr. Pourtant, je vais faire ces soirées sur WhatsApp. Bonjour! Salut! C'est vrai que c'est un peu compliqué. Attends. Non, mais c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la première fois qu'on fait une vidéo. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait une vidéo avec nos copains, mais c'est la première fois qu'on fait une vidéo où vraiment ils nous regardent avec deux yeux ronds là derrière la caméra. Ils ont déjà été là, mais jamais comme ça. En tout cas, on peut les remercier parce que du coup, on a une régie qui est totalement bénévole et exploitée aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et on va faire une vidéo totalement plagiée de McFly et Carlito. On va goûter les chips. Alors, il n'y a pas que Brex parce qu'on n'a pas trouvé autant de goûts que eux, mais on va goûter plein de goûts et on va essayer de trouver les goûts. Bah, à l'aveugle par contre. Ah, si, à l'aveugle. Si, à l'aveugle. Mais enfin, quand non, mais genre, même la couleur, on regarde pas. On n'a pas les bandeaux. Non, on va pas se mettre des bandeaux, on va deviner les goûts. Ok. Il a bien préparé le sujet, hein. Heureusement que je suis là. Un touriste. Allez, bah, moi je suis prête. Moi t'es prêt? Non, pas confiance. Ça va. J'ai un peu peur que ce soit toi qui gagne par contre. Ouais, je sais pas. Toi, il y a plein de goûts que t'aimes pas. Ah oui. Non, oui, tu peux, oui. Merci beaucoup. Alors, il y a un truc que je leur ai dit quand t'étais pas là, oui. Mais je te le dis aussi. Parce qu'en vrai, c'est important. C'est moi qui ai fait le drive et j'ai fait attention de pas regarder, etc. Mais j'ai vu certains goûts. Et j'en ai vu deux. C'est quoi? Bah, je vais pas te dire le goût. Par contre, je vais te dire. C'est les goûts, j'ai très peur de tomber dessus parce que je déteste. D'accord. Okay. Donc il y a deux fois potentiellement où vraiment je vais détester. Juste, okay. Est-ce qu'on a le droit de vous donner des indices si vous voulez? Ah bah oui, oui. Ouais. Mais vous avez le droit de parler, hein. Ouais, on a le droit d'intervenir. Là par exemple, tu sais que c'est un truc que je déteste. Ouais. Bah tu veux. Non, mais tu peux m'aider quand tu regardes pas. Non, mais je vais être franc, je sais pas ce que tu détestes. Bon allez, je goûte. Ça sent un truc que j'aime pas. Ça sent un truc que j'aime pas. Tu sais que c'est des parfums que je connais grave, mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Je les reconnais. Vas-y, fais goûter. C'est soit moutarde, soit fromage. C'est fromage. C'est fromage. C'est genre cheddar. Pas n'importe quel fromage. Chèvre. Alors c'est... C'est un fromage travaillé. Non, cuisiné. C'est la même chose. Fondu. Ou raclette. Mmh. Tartiflette. Ouais. Et ben, du coup, il y avait trois goûts que j'aime pas. T'aimes pas du tout? Ah non. Ouais. Tiens, mange celle-là comme ça. Mais t'as goûté? Bah oui, j'ai goûté, mais... Vous notez combien sur 10? Ah, on note pas sur 10. Par contre, on compte points entre nous. Okay. Donc là, il y a 1-0 pour toi. J'avais eu le fromage quand même. Hein. Après, j'ai gagné. J'ai juste une question. Parce que moi, j'avais du fromage. Hein. Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on bloque une réponse? Genre. Quand il y en a un qui dit la bonne, on s'arrête. Ouais, ok. Allez, j'y reconnais. T'as reconnu juste le visuel? C'est les taillerelles au piment d'Espelette. Ah oui. Au piment. Piment. Ouais. Elles sont trop bonnes. Je les reconnais par cœur. Les taillerelles, bon courage pour avoir le point avant moi. Oui. Suivante. Juste à recadrer de la même manière. C'est à peu près. On goûte? Poulet. Poulet. Poulet, non? Poulet pas. Braisé. Ouais. C'est Laura qui a le point. Ouais, ouais. On va enlever le point là. Non, c'est Charles qui a le point. Du coup, c'était deux. C'est toi qui as le point. Tout à l'heure, on en a mangé tellement. Enfin, moi. Merci, Régie. Pourquoi ce rire? Il y a combien du coup? Il y a 2-1 pour toi. Mais je sais que tu vas être meilleur que moi parce que moi, à part les chips nature, j'aime rien. Alors toi, tu aimes les goûts. On goûte en même temps, hein. Non, je peux pas goûter ça. C'est chèvre. Ah, je vois. Alors, chèvre, c'est sûr. Et en plus, je me suis fait avoir. J'ai cru que c'était au piment encore parce qu'il y avait des petits points rouges. Moi, j'aurais dit cheddar, un truc comme ça. Non, c'est chèvre. Peut-être chèvre. Chèvre. Chèvre et quelque chose. Chèvre et miel. Non. Il y a pas un petit. Bah, piment. Ouais. Bah, il y a des petits points rouges. Bah, en vrai, c'est toi qui as trouvé à l'odeur directe. C'est chèvre, piment d'Espelette. Dégoûtant. Chevrette. Ah, j'ai une idée. Ah, mais quand c'est quand j'ai bougé le truc, j'ai eu l'odeur encore. Affreux. Ça fait quoi? Ça fait 2-2. Ouais, sachant que tu l'as même pas goûté. Ça serait drôle. On la connaît celle-là. C'est la poivre. Taillerelle poivre. Non, c'est pas taillerelle poivre ça. Non. Si. Telle. Si, c'est taillerelle poivre. C'est... Ouais, c'est poivre. Moi j'ai dit non. Donc tu m'as mis de doute, du coup j'ai changé. C'est poivre. Et tu te rappelles, j'ai dit bon courage hein, pour avoir les taillerelles avant moi. Les taillerelles, bon courage pour avoir le poivre avant moi. Mais t'as pas reconnu visuellement? Non. Attends, on en mange tout le temps. Mmh. Bon bah du coup, ça te fait moins de 2 jours. Hein. Je te le laisse, tu grognes pas? Non. Merci. T'as dit quoi? Ça te fait moins de 2 jours. Hein. Comment ça, moins de 2? T'as pas reconnu les taillerelles? Mais oui, c'est vraiment mon préféré. Parmi toutes les chips, c'est mes chips préférées, je les ai pas reconnues. Au visuel, tu les as pas reconnues quoi. Mais ils ont changé de visuel. Ah. Avant, les grains de poivre, ils étaient plus gros. Elles étaient plus reconnaissables. Mais en vrai, c'est mieux parce qu'à chaque fois que t'as mangé, t'avais plein de poivre dans les dents après. Mais tu auras toujours là. Oui. Arrête! T'en as. Non! Attends! Pas faire ma vidéo comme ça. On le voyait pas trop. En même temps? Oui. Attends.
J'aime pas chèvre encore, non? Oui, ça, chèvre, ça sent encore le nature. Fromage. C'est non. Pas fromage. C'est un fromage. Oh putain. Comté, non. Alors. Non. Ça s'approche. La tome? Tu peux le manger toi, j'aime pas. Il a dit comté, alors moi je dis camembert. Non, non, c'est une région. Poisse! C'est quoi ça? Oui. C'est comté. Fromage du Jura. C'est comté. C'est du comté? C'est pas du comté. Ah, mais le truc s'appelle fromage du Jura? Ouais. Oui. Fromage. Ouais, ouais. Oui, même 2 points. Ça fait 4 à 2? Ça fait 4 à 2, c'est vraiment pas beaucoup. Mais pas mal, moi. Moi j'aime pas. T'aimes pas? T'as goûté? J'ai goûté un tout petit bout, mais ça sentait trop le fromage. Ah, j'étais en train de les regarder, faut que je les regarde pas. Ah, bah non. Mais c'est dur, hein, les fromages. Ouais, oui, c'est dur. Parce que t'as l'impression que c'est. Après, moi je reconnais tout de suite que c'est du fromage. Ouais. Mais comme j'aime pas le fromage. Comme j'aime pas le fromage. Alors après, comté. Le comté vient du Jura. Donc. Ouais. Moi j'ai du Jura. Ça, c'est des Tailleray, ça. Non. Les Tailleray. La marque est bonne. Ah ouais? Bah, à rien. On sait. Nature. Ça manque le point là. Non, mais t'avais dit à rien. T'avais dit à rien. C'est Tailleray, ils font des nature. Bah, bien sûr. Mais on les prend pas souvent. Bah, pour le prix, vaut mieux les prendre au poivre quoi. Elles sont au sel, toi. Au sel? Naturellement salé. Ouais? Non. Avec du sel de mer. Et le slogan, c'est quoi? Simplement avec du sel de mer. Ah, mais t'as pas dit simplement. Ah, du coup, t'as pas le poivre. Un peu. Ah, ça fait quoi? 4 points. Pour toi? Ouais. C'est bien. Quoi ça? C'est des classiques, non? Ils sont pas classiques. J'ai acheté des c'est Lays. C'est classique, mais c'est pas des Lays. Bah, c'est des Bretts. Bah, oui, Bretts salés. Ah, rien, oui. Bah, oui. C'est ça. Je crois que c'est original ou à l'ancienne. Oui, ça va. À l'ancienne, c'est différent. Et c'est à l'ancienne. À l'ancienne, tu l'as pas eu à l'ancienne. Ouais, ouais. En vrai, c'est pas la même chose. Okay. Bah, on l'a pas tous les deux alors. Non, on l'a pas. Moi aussi, j'ai du sel. Ouais, j'avoue. Par contre, moi, je croyais que les Bretts, c'était. Forcément, c'est les. Des non, avec les strings avec... dentelés. Ouais. En vrai, ça va. C'est pas trop dur, je trouve, à manger toutes ces goûts de chips et tout. Ça me perturbe pas les papilles, genre. Non. Parce qu'on a pas eu des goûts trop forts. Ouais, pour l'instant, ouais. Mais est-ce qu'on aura des goûts forts? Parce qu'en vrai, j'ai tellement pas regardé. Ouais, tu sais pas ce que t'as pris. À part les deux que je t'ai dit au début. Bonne chance. Bonne chance. Pour trouver, bonne chance. Il n'y a pas d'odeur. Oignon. Crème oignon. Vu la tête de Laura, ça va, Laura? Attends, là, c'est quoi? Lait. Lait. Purée. Presque. Enfin, lait. Mais ouais, mais j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Lait, crème. Creamy onion. Non, je te dis ça. Ah, t'as dit onion. Fromage blanc? Non. C'est plus que ça. Mais j'avoue que c'est compliqué à trouver quand même. J'aime pas. Moi non plus, en vrai, j'aime pas trop. Reprenez-en une et vraiment le premier. Tiens, prends ça. Le premier truc qui vient au nez. Franchement, le purée. Avec le sel. Pomme de terre. Pomme de terre, lait. Et ça a l'odeur de la muscade. Purée. Muscade, je veux dire. Non, c'est non, mais par contre, ça a vraiment l'odeur de la purée. Beurre. C'est la Bretonne. Des chips au beurre? Ouais. Simplement beurré. Je suis pas fan. Bah, moi non plus. Bah, je mérite pas le point. Franchement, c'est. Franchement, regoûte-en une en sachant que c'est du beurre. Ouais, mais. Alors, par contre, du coup, ça me dégoûte plus. Avant, ça me dégoûtait. Mais j'avoue qu'à l'odeur, on dirait de la purée. Un peu? Ouais. Mais en fait, j'avais un truc de lait et de purée mousseline, mais du coup, le beurre, aussi dans la purée, c'est pas très bien du lait. Et tu nous as toutes faites. Sauf le beurre. Mais je savais pas que ça existait des chips au beurre. Bah, c'est pas longtemps, je crois qu'il est fou. T'as dommage, j'étais pas loin, mais j'ai pas eu. Ouais, bah pas bon. Non. Tu vois. Oh, ah, c'est pas bon. Bah. Huîtres? Mais non, elles sont à rien. Elles sont pas bonnes. Elles sont à rien. Bois un couteau et gros, mange sans parce que. Elles ont un goût d'huile à rance. C'est encore des chips au sel? Vinaigre. Alors, est-ce que vous voulez trouver exactement le truc? Celle d'Himalaya. Oui, parce celle que. Celle baleine. Il faut dire exactement le truc parce qu'elle a pas accordé le point Charles tout à l'heure. Quand tu as dit des chips. Je les aime pas. Hein. Baleine, Himalaya, rose. Non. Celle de Madagascar. C'est, alors, celle de Guérande. J'ai juste à préciser que celle de mer. Et que c'est pas les mêmes que d'habitude. Attends. Mais pour des de les... vous aimez pas. Vous pas. C'est les paysannes. Les paysannes. Paysannes. Je suis seul à trouver un goût bizarre. Non. Oui. Vous avez goûté vous? Oui. Ouais. En fait, c'est juste quand on dit on voudrait des chips qui font des vagues, on prend ça de là quoi. Et on sait pas qu'elles ont un goût. Ça fait un peu franchouillard. Hein. Attends. Non mais j'ai une odeur de. D'huître. D'olive aux anchois. Ah. Un goût d'olive aux anchois. Mais je sais pas. Ce sont les olives aux anchois. Non mais tu sais les olives aux anchois, la farce qu'il y a dedans là. Ah non, je sais pas ça. Excusez-moi, je vais venir remettre de l'eau dans mon verre. Non, promis, je ne triche pas. Mais il faut me cacher. Non, vraiment pas. Merci. Non, je peux non. Pour l'instant, on a le point rouge, tout va bien. Ouais, par contre, les parfums comme ça, il y a beaucoup de parfums classiques, c'est trop dur. En fait, ouais, c'est vrai. Il y a plein de goûts, c'est des variantes de sel, en fait, et de nature. C'est la forme qui change, c'est impossible à trouver, ça. Non, la paysanne. Paysanne, c'était trop dur. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Parce que celle-là, normalement, à peine je vais les poser, vous allez les trouver. À l'odeur. Et au goût. Curry. Tu bloques curry? Basilique. Pesto. 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 Et il y a autre chose, il me semble. Parmesan. Pesto, parmesan. Mais c'est bon. Pâte au pesto. Pâte. Non. C'est un autre type de pâte. C'est un fromage avec le pesto. Parmigiano. Non. Piccolo. Piccolo. Pecorino.
T'as essayé de faire gagner Charles? Non, je vais lui faire un cœur. Parce que c'est le pire. Il y a un truc. Non, le fromage, j'ai du mal. En vrai, le fromage, il est écrasé par le pesto. À la Tom. Non, c'est un fromage qui est qu'on utilise souvent avec du pesto. Parmesan. Parmesan. Et mental. Bah si, on utilise. Non, tu le manges avec. Genre hier. Non. C'est une entrée, ils te servent ça. Bon, t'en es là. Vous avez le point, c'est juste pour le pesto. Non, c'est moi. Et du coup, j'ai. C'est dur de mentir quand on a la preuve en caméra. Pour moi, c'est la boule. Ouais, mais elle a pas le point là, parce que j'ai dit mozza avant. Ouais, c'est vrai. T'as dit. J'ai dit un chouïa avant toi. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais. Ça fait 5 à 3 ? Ça fait 10-3. Non, ouais, non, 5-3. Non, 10-3. 5 à 3 ? Par contre, vous mangez du parmesan et du pesto ? Bah, ouais. Oui. Il y a du parmesan dans le pesto. Le pesto, ça se fait avec du parmesan, t'en rajoutes un petit peu par-dessus. C'est du basilic avec des piments de pin, t'as de l'ail et du pesto. Et tu sais, quand c'est dans la sauce, c'est tu le. Dedans, c'est pas... Oui, mais après, quand t'en mets du frais et tout, t'as une autre texture. Aussi ! Ah, non, non. Les gens nous donneront raison dans les commentaires. Il y en reste plus que deux. C'est tout ? Non, plus qu'un. On a tout goûté ? Déjà ? Bon, il n'y en avait pas tant que ça. J'avais l'impression qu'on arrive avec un sac énorme de courses. Plus qu'un. Là, c'est fini, là. Plus qu'un, là. C'est le dernier. J'aime pas. Moutarde. C'est acide. C'est pas moutarde. Je vais goûter, alors. Vinaigre. T'as dit vinaigre, je l'ai léché. Je l'ai craché dessus. Je suis léché, c'est bien. T'as dit vinaigre, j'ai pas pu. C'est ça, c'est sel et vinaigre. Mais toi, t'as pas l'habitude de manger du... Ça me dégoûte. Des trucs à base de vinaigre. Ah non, mais vraiment ça me dégoûte. Bah c'était bon pourtant. Je vais le jeter parce que je vais pas vous le rendre celui-là. Ah oui, il est... Il vinaigre. Je l'aime bien, moi. Bah, je crois pas. On a tout goûté. Il reste après les petits poulets braisés. Ouais. Mais on l'a déjà fait. On l'a fait, comment ça on l'a fait? C'était le premier ou le deuxième? Ah, je l'ai acheté en grand et en petit. Ah mince. Il n'y avait pas beaucoup de parfum du coup. Bah non, en fait, bah oui, mais bon, hyper U, Priva, voilà. Refaire avec plus de parfum. Faudrait acheter sur leur site. Ouais. Il y a eu 13. 13 13, si on arrive le sarrasin, ça fait... Ouais, parce qu'on a fait une... On avait ça à couper quand on a fait, il y avait chips au sarrasin. Mais on avait plus de caméra. Ah, elle est bonne. T'as aimé? Moi, j'ai aimé. Ok, moi, bon. Faut penser aux galettes que tu manges. Un peu, ouais. Ouais. Bon, ben voilà, c'est fini, hein. Il en manque un peu. Bah ouais, je suis... Mais bon, on en a quand même goûté 13, c'est pas mal, en vrai. Ouais. Y a pas eu de trucs pimentés, trop pimentés. Non, il y en a eu que deux. Bah, il y en a eu deux, dont un que j'ai pas mangé, parce que c'était aux chèvres. Ça peut s'arranger, hein. Ah non, non. Ah non, non. Tu sais que tu pourrais faire le même truc avec les chips contre... dans les tubes, là. Ouais. Ah, et les Pringles. Les ouais. Par contre, je suis un peu déçue, parce que je pensais qu'on aurait du... Je sais pas, du tikka masala, du curry, des trucs. Et en fait, ça y était pas du tout, ces goûts-là. Ah, hyper U, ils ont pas trop le choix en fait. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, là, j'ai fait beaucoup de doublons et tout. C'était difficile de faire les courses sans regarder ce que je prenais. Ouais, il y a eu quand même des parfums exotiques, hein. Le vinaigre et tout. Bah, en vrai de vrai, j'aurais regardé, je pense que j'aurais pas pris. Parce que me dire que j'allais mettre ça dans ma bouche. T'as bien goûté, c'est passé. Avant que tu le saches, ça s'est non, passé. Ça s'est pas bien passé, j'ai dit j'aime pas. Bon les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. On a atteint les 1000 et il y a un concours, je le rappelle, vous pouvez jouer, le résultat ce sera le 1er mai. Donc il est jamais trop tard. En attendant, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Apéro. Oui. Ça je vais te garder. Fuck me when the next life in the better day. Living life every day. All I need are some better days. Cause all I want and I pray. I believe in the better days.